just cause my name's a reminder of pop song people forgot. And I can't keep a girl, no home. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and works my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me. Never really know why that can be. Oh, stepping out that roller coaster all alone. Oh, I know I said something. Say songs. Oh, I know. Say songs. Say songs. Allez, salut les petits refs, salut à tous. Bien le bonsoir. Alors, on va se faire un petit live. Départ Strasbourg, arrivée Toulouse. A priori, on a du contrôle à Toulouse. On va essayer de voir si ça passe. Je sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Je vais juste régler ça vite fait. Tac, écran principal, on va faire ça, tac. Voilà, ça c'est bon. Tac, on va verrouiller. Ok, donc salut, oui, c'est possible, bien sûr. Hein. Ouais, c'est possible, tout à fait. Donc, départ Strasbourg en Air France, arrivée Toulouse. On teste le nouveau matos, le FCU de chez Wing Wing. Donc on l'a reçu hier. On va tester, voir ce que ça donne. Et bon, je l'ai déjà testé hier sur un petit live, il était très tard. Donc je vais retester correctement. Et puis voilà. Du coup, hop. Ground. 1725 with whiskey. Hop, on monte dans l'avion. Southwest 1725. Move up to hold short of tango. Hop, au niveau de la tablette, on va importer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Airplane of lock time. Rain load cheater, 30 minutes prior to départ. Ok, c'est parce que je suis trop pour le départ. Hop, on va mettre de la lumière. Alors, on va mettre l'external power. Tac, la lumière. Batterie 1. Batterie 2. On arme les signs. No smoking. Navin logo. Cruise supply. Ground control. On écrase, on teste. Ok, ça c'est bon. IRS One. IRS Two. IRS Three. Hop. Ça c'est bon. On va baisser, on va mettre en night puisque on est en full, on va baisser la ventile. Hop. Tac. Voilà, ça c'est bon, on va monter la lumière. Ça c'est bon. Ici c'est bon, ici c'est bon. Hop. Juste un peu. Les pompes, on verra après. On va tester les moteurs. Engine 1. Ok. Engine 2. Ok. APU. Ok, ça c'est bon. Alors,
là on a tout réglé. Normalement on va faire un autre petit test. Tac. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Et ici c'est bon. Ok. Allez. C'est good. Coucou Emma. Alors j'ai l'œil qui me fait mal. Hop. Alors, ici c'est bon. Allez, on va se mettre ici. On va régler le QNH 10-30. Hop, les VOR, les contraintes. Les VOR ici. Tac, ça c'est bon. On va mettre les pré-wind shear sur auto sur 1. Hop. Ça sur auto. Ça sur all. On va laisser sur 2000 puisqu'on n'a pas de contrôle. Hop. Alors, les spoilers sont bien rétractés. Les volets sur 0. L'engine mode sur normal. Les moteurs sur off et la poignée des gaz sur idle. Donc ça, c'est bon. Coucou Lisa. Hop. Alors, ça c'est bon. Ok. On va se mettre comme ça. Hop. Je vais juste faire ça avant. Tac. Ok. Alors, je vais déporter mes écrans tout de suite. Hop, comme ça c'est fait. Hop. Ground, good afternoon, Southwest 590, information Papa, 8 Bravo 14. Ah, ça c'est le truc le plus relou à faire. Southwest 590, ground, push approved. Push approved, Southwest 590. Ground, that was 47 for pushback at Bravo 9 with Papa. Southwest 487 Brown, push your discretion. Thank you. Là, c'est bon. On va déporter les autres. Celui-là, je vais le mettre là. Hop. Southwest 771, continue straight ahead. Papa, turn left uniform Tango, hold short of Echo. Your company's pushing now. Je vais le mettre ici. All right, Papa uniform Tango, short of Echo, Southwest 771. Voilà, là on est pas mal. 771 behind your outbound company, taxi to parking. Behind the company to parking, stop. Alors, Echo, Papa. Ça c'est bon comme ça, ok. Du coup la tablette, je disais. Alors, les mass and balance, on va faire. Hop. Instantané, on a 162 passagers, on va mettre ça comme ça, ça comme ça. On va demander le boarding. Personnel de cabine, tout est prêt, vous pouvez ouvrir les portes et commencer à laisser les passagers monter. Ça c'est bon. D'accord, taxi. Request boarding. Taxi via Echo Papa uniform. Ok, Echo Papa Uniform Southwest, 5. Ça c'est bon. On va aller voir ce qui se passe dehors. Voilà, donc le boarding se met en place. On va ouvrir les portes cargo. Hop. Southwest 608. Yes, sir. Looks like our gate is occupied or they're holding us out. They're saying at least 15 minutes. Hop, ça c'est bon. Voilà, donc on va pouvoir passer au plan de vol. Donc, à-dessus, AOC menu, fly init, init data request. Vous
Ok, ça c'est bon. Good evening, ladies and gentlemen. Init request. Alors, Air France 2112. Ça c'est le call sign pour le cost index. Alors, on va charger le plan de vol. On est sur un cost index de 12. Il fait actuellement 7 degrés. La cruise flight, on est sur 370 avec une température extérieure de moins 53. La tropopause 37 902. Hop. Tac. On va charger les vents. Ok. Et Plink, ça c'est bon. Alors, import Simbrief, LFBO. Alors, pour le départ, qu'est-ce qu'on va prendre comme départ? On va prendre celle-là. Je suis en train de regarder. Ça, c'est pas mal. Et l'arrivée, on prévoit une ILS. Juste regarder la piste d'arrivée, c'est la 14R. Bon, on va prendre celle-là. Voilà. Ok, merci pour le follow. Alors, pour le départ, donc on part de Strasbourg. Départ, Epic 8M de la piste 05. Ça c'est bon. Pour l'arrivée à Toulouse, donc Nara 8 Sierra sur la runway 14R. Nara 8 Sierra et via Fusap. Hop, Fusap. Ça c'est bon. Ça on va virer. C'est pas normal qu'on ait une discontinuité ici. Ok, en alternate, pardon, c'est Barcelone. LEBL. Donc on partira de LFBO, de la 14R. Tac, on va regarder. Ribou. Est-ce qu'on l'a? Ribou 7 Alpha pour le départ. En insert et Pumal 5N sur Barcelone en cas de go round. Donc on arrivera sur Barcelone piste 2. Donc on va choisir la piste 2 et ça sera Pumal 5 November via TOTS 2N. Voilà. Donc là, mon plan de vol, il est établi correctement. Si on a un problème à l'arrivée à Toulouse, on pourra toujours repartir. Direction Barcelone pour l'alternate. Jusqu'à là, on est bon. Alors, LFBO pour Toulouse, on arrive sur la piste 14R, on a bien 393 nautiques, c'est ça,
On va enregistrer le second flight plan. Ok, ça c'est bon. On va aller sur... Tac. On va envoyer ça au MCDU. Voilà, 5 tonnes 4, c'est bien ce qu'on a ici, 5 tonnes 440. Alors... du taxi, on est bien à 230, c'est bon. La réserve, on est à 191. Alors, il va me mettre 200. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'alternate, on a une tonne 481. Il va me mettre une tonne 5. Voilà. Et le final raise, on est à 948. On va essayer de régler. Voilà, on a économisé. Donc ça, c'est OK. On va aller voir si on a des messages. Normalement, oui, on doit avoir le load sheet. Voilà, 57 pour 31.2. On va vérifier ensemble. 57, 31.2. Normalement, c'est ce qui est bon. Tac. 57, 31.2. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc, tout est OK. Ça, c'est bon. On va pouvoir aller voir les perfs. Tac. Alors, on part bien de la piste 05. C'est bien ça. Le sol est sec. On part en opti, en toga. Oh, on va partir en... Parce que la piste est assez longue, on va regarder. 2400 mètres. On va partir en toga. Anti-ice sur off, les packs sur off. On va synchroniser. On a bien 7 degrés, le QNH 10-30. Voilà, donc V1 132, VR 132, V2 135, le transition d'altitude 7000. On part en flap 1 avec un trip wind de 0.3. Et on demande le toga. Donc ça, c'est bon. C'est envoyé au MCDU normalement. On va vérifier. Voilà, tout est bon. On va regarder si on a un thrust reduction. C'est là. LF SB. ST. SB, c'est balle. Alors, on n'a pas de thrust reduction, donc c'est bon. Eh bien, je crois qu'on est bon. Hop. Au niveau de la montée initiale, alors qu'est-ce qu'il nous dit? 6006. La montée initiale c'est 7000, donc on va régler 7000. Voilà, c'est réglé. Ok, après on vole au 370. On va pouvoir commencer à allumer la PU. On va attacher nos passagers, on va allumer les pompes, on va mettre les beacons. Alors, les flaps sont open, on peut allumer la PU. On va le laisser se lancer. On va mettre un coup de chrono. Au niveau du cargo, on est bon. C'est rempli. On va pouvoir demander le pushback. Capitaine, tous les passagers sont à bord et les portes ont été fermées. Voilà, donc la PU est lancée. On va amorcer les signs.
On va pouvoir mettre la PU bleed. Ok, ça c'est bon. Ça on peut enlever. Bonjour mesdames et messieurs, je suis le commandant de bord et je vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Toulouse. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir choisi notre compagnie et je vous informe que nous arrivons à l'heure à notre destination. Allez, on va pouvoir enlever le GPU. Comment on recule le nez à gauche? Non, on recule le... Je crois qu'on n'a pas le choix ici, hein. Moi j'aurais dit le nez à gauche. On va reculer le nez à droite. Et après on fera le tour. Parce que je crois qu'on n'a pas le choix ici, on est obligé de faire comme ça. Allez, on release le parking brake. On va mettre l'engine mode en route et moteur numéro 2. Okay, ça c'est bon, ça c'est bon. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closely. Normalement tout est ok. On va laisser le moteur se lancer. Et vérification de la porte opposante. Merci. Thank you. Madame. Allez, moteur de lancer, on peut lancer le moteur One. Capitaine, la cabine est sécurisée. Toutes les portes ont été armées. On va mettre le chrono. Pour le décollage. On va mettre. Merci. Les autobrakes sur max. On remet le parking brake. Le moteur est en train de se lancer. Le moteur 1 est lancé normalement, il va être available dans quelques secondes. Available, on peut couper l'engine start. Voilà, les deux moteurs sont en route, on va pouvoir couper la PU. Ça c'est ok. On va attendre que le pushback se dégage. Voilà, le pushback est en train de se dégager. Le jeune homme va se mettre devant, il va nous faire signe normalement. Si on le voit, je sais pas, il est où. Je le vois pas. Ah, s'il est là. Voilà, on le voit maintenant. Runway turn, feu de taxi. Hop. Alors, on a dit qu'on partait. Alors, avec un trip wind 0.3. Donc on va mettre 0.3, voilà, ça c'est bon. On va tester les flaps. On va mettre flap 1 déjà, puisque c'est notre configuration de départ. Ladies and gentlemen, hello and welcome aboard.
Voilà. Donc là, on est bon. Allez, on va faire un autre test. Alors, mon rudder, il fonctionne pas, forcément. Je vois pas pourquoi ça aurait fonctionné. Voilà, ça marche. Allez. Bon, ça m'a gavé. Qu'est-ce qu'il a, ce truc à glisser là? Allez, full up, full down, neutral. Alors pourquoi il marche pas, mais volé. And can you take Alpha 5 intersection, or do you want the full length? Full length, please, right to the Charlie 4. Perfect, Alpha 2341, and Charlie 4, Zulu, hold short of 1-8. Charlie 4, Zulu, short of 1-8. Voilà. Allez, full left, full right, neutral, ça c'est bon. Full left, full right, neutral, ça c'est bon. On arme les spoilers. Eh bien, on va commencer à rouler. On va couper la lumière. Feu de taxi, c'est bon. Les runway turns, c'est bon. Normalement, on n'a rien oublié. Tout est éteint, c'est ok. Autobreak sur max, c'est bon. Toujours à Strasbourg, je t'ai perdu dans mon feed. Oui, je suis toujours à Strasbourg, frérot. Je suis là. Je suis en train de rouler. Je vais pas tarder à. Je commence à rouler. Tac. Allez, on coupe. Le parking break. On se lance. Clearwing 1699, give way to company joining Alpha. Taxi to parking via Alpha. To the gate, sir, 1699. Alors, on va prendre à droite Mike. Et ensuite, on prend Papa jusqu'au bout de la 05. Bonsoir, combien de temps de pratique pour arriver à ton niveau de connaissance? Bah à peu près 2 ans frérot. À peu près. Hein. Right now, Limber 4415, requesting push, Bravo 5. 4415, push your description, thanks for detecting. Push your description, call your back for taxes, 4415. On va vous mettre un peu de jour, c'est plus sympa. Alors normalement on n'a pas d'avion à Strasbourg. J'ai regardé. Ouais, je suis tout seul. Allez, on y va. On va rouler. Alors, donc on prend bien à droite. Alors, on est bon. Piedmont 6112, call Throwing 278 on Echo, join Sierra Towers 135.1 on the other side, traffic 3 mile final. Piedmont 6112, call Throwing 27 right, Echo, Sierra, hold short, and we're looking for that traffic. On va couper les packs. Pre-Wind Shear, on les met en route, normalement c'était fait, j'ai dû oublier.
Echo 4646, passing November, monitor tower 135.1. Pass November, monitor 35.1, here 4646. Alors. Merci mon ref pour le follow, c'est gentil. 5414, contact ramp at the spot 9. Brickyard 4881, runway 27 left, line up and wait. 27 left, line up and wait, Brickyard 4881. American 86, the gates up and up, we are ready to attack. American 736 heavy up and short, your next. Actually, yeah, your next, American 736. Alors, on va faire la TO config. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre sur la piste? Non, il n'y a personne. On va pouvoir intégrer tout de suite. Okay, right turn on November, cross runway 27 right, Kilo Quebec, spot 7, ramp, see ya. November, cross 27 right, Kilo, Kilo Quebec, American 862. Allez, on va mettre les landing lights, les strobes, feu de take-off. Le TCAS, pour le décollage. On va rentrer sur la piste 05. Yes, merci Yo, c'est gentil. Delta 1545, good evening, 2707, runway 27 right, you clear land. Right, clear land. On vérifie qu'il n'y a pas d'avion qui arrive. C'est toujours bien. On va à Toulouse. Brickyard 4881, fly heading 265, runway 27 left, clear for takeoff. 265 on departure. Alors on va s'aligner. Normalement on devrait être aligné. American 736 heavy, runway 27 left, line up and wait. Line up and wait on 27 left, American 736 heavy. Voilà, on est aligné. Hop. Eh bien, on aligne les moteurs, on va décoller, un coup de chrono. Allez, moteur aligné, on pousse Toga, on lâche les freins, on pousse le nez un peu en avant. Man Toga, SRS, runway, auto thrust blue. A left turn to 230, clear for takeoff on 27 left for American 736 heavy. 100 nœuds. Check. V1. Take off. Voilà, il y a du vent. Allez, je vais vous mettre la vue extérieure. Positive climb, gear up. Allez, on rentre les volets. On désarme les spoilers. Level climb. Pieds. Allez, 2500 pieds. On va avoir un gros virage à gauche. C'est sympa Strasbourg, hein. Au départ j'aime bien. Yes, July, merci July.
3700 pieds. Allez, on va tourner à gauche. 4000 pieds. American 736 Heavy, contact departure. Good night, sir. American 736 Heavy. Hop, virage à gauche. On remet les packs. Yes, Strasbourg, frérot. Exactement. Il y a des connaisseurs. Et 7000 pieds, 6300 pieds, 400. On va finir notre virage à gauche en passant QNH standard. Alors, on voit la piste de d'où on est parti là, ici. Ouais, 7800 pieds. Mesdames et messieurs, vous pouvez maintenant utiliser vos appareils électroniques. Ladies and gentlemen, you may now use your electronic devices. Allez, on peut couper les runway turn, les feux de take-off. On va leur remettre les appareils électroniques. Allez, on passe 10 000 pieds, on passe sur la P1. On va profiter un peu de la vue. On boit un coup surtout. Hop. C'est quoi ta question, David? Combien de mint? Je comprends pas. Je crois qu'on a décollé là, je suis pas sûr. Le canal 3 de la télécommande de votre accoudoir. Merci. Ladies and gentlemen, we are about to start our in-flight movie. If you'd like to watch, please plug in your headphones and select channel 3 from your RMS remote. Thank you and enjoy the film. Allez, on est en train de monter. On va monter au 370 puisque c'est notre niveau de vol. Voilà. Durée de vol en temps réel, oui, tout à fait. Il nous reste 391 nautiques. Je vais te dire à peu près 1h20, 1h30. 1h20, 1h30 de vol à peu près. Allez, on coupe les landing lights, on met les strobes sur auto. Ah, le ciel est bien dégagé. American 1206, turn left in 270. American 1206, departure. À niveau 370 pour 400 nautiques, c'est beaucoup, non? Pas du tout, pourquoi? Pourquoi ça serait beaucoup? Allez, on monte au 160. Non, c'est pas beaucoup. Bah non, après tu peux monter hein. En fait le principe c'est de monter très haut
Même si tu fais une croisière de 15 minutes en fait, et de redescendre tout en planant, et c'est comme ça que en fait les compagnies elles font des économies. Parce qu'elles montent, elles restent pas longtemps en croisière et après elles font très longtemps en descente. Et en fait tu verras, je te ferai voir sur la descente. Je te ferai voir sur la descente, on est en idle quasiment jusqu'à l'arrivée en fait. Et en fait, les économies, elles se font comme ça. Plus tu montes haut, et plus après ta descente est simple. Bon, après, il s'agit pas de monter non plus. Je sais pas où, hein. Mais là, niveau 370, ça me paraît correct hein, pour un vol de quasiment 2 heures. Ça me choque absolument pas. Ouais, voilà, exactement. Faut pas abuser. T'as tout compris. Left turn 240 Delta 670. Ouais, c'est quand même super beau, hein. Avec le petit lever de soleil là. Hop. Voilà, donc on sera au niveau 370 à peu près ici, dans 80 nautiques. C'est toi qui décides des vols que tu veux effectuer, oui tout à fait. En général, moi je fais des vols réels. Donc là, ça c'est un vol réel hein, qui fait Strasbourg-Toulouse, c'est un vrai vol. En général, je fais ça. Mais après, oui, tu fais où tu veux. Ouais. Mon pote fait le World Tour Live. Du coup, hier, Lisbonne-Bruxelles. Ouais, carrément, bien sûr, évidemment. Parce qu'après tu passes en Mach en fait, c'est pour ça que ça augmente en fonction de l'altitude. Après au-dessus, jusqu'à 10 000 pieds, tu es obligé d'être à 250 nœuds. Et au-dessus de 10 000 pieds, tu peux être à plus de 250 nœuds. Alors, en dessous de 10 000 pieds, tu es obligé d'être à 250 nœuds. T'as pas le choix, c'est la réglementation. En fait, on t'impose de voler à moins de 250 nœuds en dessous de 250, en dessous de du niveau 100. Coucou, moi ça va être un vol de nuit avec le 777 Klax SBRJ sur l'horizon artificiel. Klax, c'est aux États-Unis ça, je crois. Los Angeles, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Los Angeles. Alors, pouvoir détacher les passagers. On est en Airbus A320. The captain extinguished the instruction to fasten the seat belts. You can now move around the cabin. However, please note that we recommend that you strap them on. Air France, tout à fait, ouais. In case of turbulence. Afin de vous servir des boissons alcoolisées. Merci de vous assurer que votre plateau est en position basse et que toutes les allées soient dégagées de tout obstacle. Ce alors, juste faire un truc vite fait. Merci. Ladies and gentlemen,
We are going to start passing through the aisles to serve you alcoholic beverages. Please make sure that your platform is in the low position and that all aisles are clear of any occupants. Yes, 3325, departure 120.85, hold on. Ouais, c'est le Phoenix, tout à fait, ouais. Oui, je suis passé par... oui, j'ai déjà été à Paris, oui, tout à fait, ouais. Hop. Ça, c'est bon. On va mettre ça comme ça. Tac. JetBlue 857, turn left 220, climb to 12,000. Turn left 220 and up to 12,000. Hop. Brickyard 6089, turn left 310. Left 310, Brickyard 6089. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça par là. Tac, et j'ai besoin de ça. Brickyard 6089, turn left heading 310. Tac, on va mettre ça comme ça. Hop. Strasbourg. Toulouse. Envoy 3583, depart to 118.17, 18.17, Stella. Hop. Voilà, c'est bon. Nous, c'est Hornet Airline, compagnie virtuelle. Ok, mon ref. Moi aussi, je suis dans une compagnie virtuelle chez, chez Air France. 7335, departure 120.85. And JetBlue 8057, departure 120.85. So long. 7335, bon, c'est quand même un long vol, hein. C'est pas un vol, c'est pas un vol qui est, c'est pas un vol rapide. Hop. Center, good morning. JetBlue 49, 11,000, climbing 14,000. Bon les gars, pour ceux que ça intéresse, hein, je me suis fait un petit plaisir, hein. Je me suis acheté le... Bien sûr, oui, tout à fait, je connais Metaflight. Je me suis acheté le FCU de chez Wing Wing. Alors, je vais vous faire voir, pour ceux qui connaissent pas encore. Alors, je leur fais pas de pub, hein. Je fais pas ça d'habitude. Mais franchement, je tiens quand même à souligner la qualité du truc. Alors pour ceux qui seraient chauds, alors attendez, je vais essayer juste leur de retrouver combo. Tac. Alors c'est ça, voilà, c'est celui-là. Hop. Store. Airline panel. Tac, voilà. Voilà les refs. Alors, je vous fais voir. Hop. Voilà, donc je me suis acheté ce petit FCU. 1, 2, 3, je vais y arriver. Voilà, je me suis acheté ce petit FCU. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Vraiment.
Alors j'étais non, je l'ai, enfin moi je l'ai, de, je l'avais précommandé, je l'ai reçu avant-hier. Honnêtement, pour le prix, c'est une vraie dinguerie, vraiment. Mais vraiment. Ne vous tâtez pas si c'était le cas. Franchement, ça vaut largement, largement le prix. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir. Je l'ai branché à mon PC, c'est en USB-C. On le branche ici, là. Voilà, ici, là. Il y a deux prises, une prise pour aller au PC, une prise pour le power. Il faut un logiciel, oui, ils le fournissent avec. Donc le logiciel, il est fourni avec le... Avec le truc. En fait, t'as rien à faire. Tu branches ton truc à ton PC, le logiciel se lance, tu installes le logiciel, bien sûr, le logiciel se lance, il fait la mise à jour. Il fonctionne tout de suite sur le Phoenix. Le prix, moi je l'ai payé 97 euros. Alors là, je vois qu'il a un peu augmenté. Moi je l'ai payé 97 euros. Voilà. Franchement les gars, vous privez pas, voilà, ça c'est le petit logiciel plug and play, et c'est pas un mensonge, ça fonctionne en plug and play, donc tu le branches, ça fonctionne, voilà. Et en fait ils font tout ça, et il est compatible tout avion, exactement, et tout tous les simulateurs, voilà. Et le pack comprend donc le FCU, les deux accroches, un câble, la clé Allen, quelques vis. Et ça, c'est pour le fixer de l'adhésif. Voilà, franchement, non, c'est une dinguerie, les gars. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, et ils font, comme disait le refrain, là, ils font le combo. Voilà, le combo est à 297 euros. T'as l'ensemble. Bon, moi, je vois pas trop la nécessité d'avoir les deux. Je vais peut-être à l'avenir commander uniquement celui-là. Celui-là, là. Mais je vous avoue que j'ai vraiment plus de place, en fait. Donc les gars, si vous tâtiez, ne vous tâtez plus, c'est vraiment du... C'est le feu, en fait. Mais vraiment. Voilà, c'est clair, c'est clair. Moi j'ai, vous l'avez vu, hein, j'ai le TCA, j'ai le joystick Airbus, j'ai le pack TCA complet avec joystick, manette, flap, enfin tout ce qu'on veut. J'ai le, comment on appelle ça, le Stream Deck qui me sert pour tout l'avion. Donc tous les boutons de l'avion, je l'ai fait sur le Stream Deck. Et à maintenant, le FCU, franchement, rien à dire. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. J'ai le rudder. Je suis bien. Je suis pas mal. Le site, c'est Wing Wing. Tu tapes W... Alors attends, je vais te dire W-I-N. W-I-N-G. Wing... Wing Wing. Et franchement les gars, vous allez vraiment vraiment pas vous ennuyer avec ça. Plus que le MCDU. Bah plus que le MCDU. Le MCDU je le fais sur ma tablette, donc au final ça me manque. En fait le MCDU je le fais sur ma tablette, donc c'est pas un truc qui me manque de ouf. Les gars, on va jeter un oeil sur la descente. Parce que c'est intéressant de savoir comment on arrive. Alors nous on arrive d'où? Je vais regarder ça tout de suite. Tac. Tac. Alors Narak, on a une contrainte. On doit être à moins de 150 à Narak. Ensuite on doit être à Fusap à 8000 pieds. Voilà. Et ensuite... c'est 3000 pieds sur l'entrée de l'ILS. Donc on va prévoir Fusap, F-U-Z-A-P, 3000 pieds.
center descend via the Steinfeld 2 arrival to altimeter 2995. Comment je fais quoi, frérot? Alors, fixe info. Alors, on a dit FUSAP. FUSAP. Hop. La radiale de FUSAP, c'est quoi? On va regarder ensemble. La radiale de FUSAP, c'est 214. Voilà, la radiale de FUSAP, c'est 214. Du coup, on est au 370, on doit descendre, j'ai dit 8000 pieds, avec une pente à 3 degrés, il nous faut 97 nautiques. Donc on va mettre 97 nautiques, ça c'est pour notre descente. Ok. Ensuite, on va faire LFBO. On arrive sur la 14R. Flight 935, heavy contact approach 124.8. On va mettre 10 nautiques. Alors, l'axe de piste. L'axe de piste, c'est 142. Donc on va mettre la radiale 142. 142 plus 180. On va mettre 322. Normalement c'est ça. LFBO14R. Et on va mettre 5 nautiques. Voilà, normalement on est bon. On va prévoir. Pourquoi je le mets de travers? On va prévoir notre descente. Donc le barreau à Toulouse. En ILS, c'est 588. Et on va regarder le métar ensemble. C'est pas ça. Waiter. Waiter request. Métar. LFBO. On envoie. Hop. Alors ça met du temps à arriver ou ça arrive pas. Normalement ça devrait arriver rapide. Voilà, le métar est là. Donc à Toulouse, on n'a pas de vent. Donc c'est 0. 13 degrés 10-25. Bon bah déjà on n'a pas de vent, ça va être un atterrissage assez cool. Degrés et le QNH 10-25. Voilà, ça c'est bon. Transition d'altitude 5500. Non, moi j'ai 5000. Pourquoi il me dit 5500? Alors là, je vais regarder la deuxième carte, voir ce qu'il me dit. Non, non, il me dit 5000, je vois pourquoi 5500. Voilà, 5000. Ok, donc normalement, on devrait être pas mal, on va regarder notre arrivée. Voilà, on est bon. Donc, top of descent ici, la 14R qui est là pour le devant de la 14R et l'arrière de la 14R, il est là. Voilà.
Je comprends pas ta question. Comment tu vois le radial, transition d'altitude et tout sur les cartes, frérot? Là. Voilà, tu vois que la transition d'altitude, elle est à 5000 pieds. Transition d'altitude, 5000 pieds, c'est marqué là. La radiale de la piste, c'est 142, c'est marqué là. Et puis après, bah, si tu veux savoir dans quel axe c'est de l'autre côté, là, c'est 142 vers l'avant. Mais si tu veux savoir derrière, et bah, il faut faire un petit calcul. Ah ouais, sans navigraph, c'est compliqué, tout à fait. Voilà, donc on est actuellement ici. Ok. Hop. Voilà, donc on va arriver sur le point Nintu. Et après on s'engage. Et à Fusap, on devrait être 8000 pieds. Voilà. Donc notre descente est réglée. On va tout de suite. Hop, je vais enlever ça. On va mettre ça comme ça. Alors, hop, ça c'est bon. Du coup on va programmer 8000 pieds pour la descente sans l'engager. La piste, on va mettre l'eau et normalement on est prêt. Voilà, Nintu c'est là, donc on est bon. Arthur, salut frère. Chart Fox, bah je connais pas du tout frère. Je viens d'acheter et télécharger Navigraph, je sais pas comment l'utiliser, tu peux m'aider? Bah bien sûr Arthur, avec plaisir. En fait tu viens sur rejoins moi sur Discord et je te filerai un coup de main. Ceux qui veulent rejoindre Discord, le lien Discord il est là dans ma page de description. Vous allez sur ma page la TikTok et vous cliquez sur le lien Linktree et rejoins le Discord d'Aerotaz. Ok, ceux qui veulent me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est pareil, il y a toutes les rediffusions de TikTok. Et après c'est mon kick, le Twitch et des réductions de jeu pour Instant Gaming. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse là, vous jetterez un oeil, mais ce qui nous intéresse c'est le Discord pour Arthur. Donc tu viens sur Discord et puis je t'expliquerai à tête reposée quand on sera tous les deux. Parce que là sur le live pour t'expliquer c'est pas évident. Donc voilà mon ami, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Ok, j'ai un message apparemment. Hop. Receive message. Ok, ça c'est bon, on s'en fout. Tac. Voilà mon frérot. Parce que j'ai l'impression que c'est juste des chartes mieux répertoriées, mais merci. Bah écoute, avec plaisir gros. Ouais, mais après, moi Navigraph, je pourrais pas m'en passer, hein, je t'avoue. Avec plaisir frérot. Mais je sais pas du tout comment, moi je pourrais pas m'en passer Navigraph, c'est impossible pour moi. C'est la vie Navigraph. Bon, c'est sûr que ça coûte un billet, mais bon. C'est juste obligatoire d'avoir un Navigraph. Après, lire les cartes, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre comment fonctionnaient les cartes. Hein. Franchement, hein, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre. Lire une carte, c'est ouf. Les transitions d'altitude, les approches, les ci, les ça, les barreaux, la MDA, les IAS, enfin tout ça, j'ai mis une éternité à comprendre. J'ai l'impression que c'était ça a duré 1000 ans en fait. Mesdames, messieurs, nous allons commencer à passer dans les allées pour vous servir des repas. Donc franchement, ouais. Vous assurez que votre plateau est en position basse et que toutes les je peux comprendre que des fois on se pose des questions. Merci. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est dégagé quand même. Hein. Franchement, hein. On arrive quasiment à mi-parcours. Top of descent, il est dans combien de temps? On est à peu près dans 100, je dirais 130 nautiques.
à peu de choses près. Ah bah tu vois, j'ai... bah oui, mais forcément frérot, Navigraphit, c'est lui qui te donne toutes les indications en fait. Bah bien sûr, évidemment, c'est la base. Jihad, qui c'est qui est trop fort frérot, c'est Arthur ou c'est moi? C'est toi la config, toutes ces incroyables les connaissances. Merci frérot, c'est gentil. Merci, merci. C'est beaucoup de travail, vraiment. Franchement, pour le coup, c'est énormément de travail. Hein. Croyez pas que j'ai allumé le simu et j'en suis arrivé là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de temps, beaucoup de... Non, je suis sur Ivao. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de travail, d'argent, parce que ça m'a coûté très cher. Enfin, mon PC, le matos. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de... d'investissement, vraiment. Oui, je pense, tu travailles, le travail paye, voilà le résultat. Pour moi, en vrai, l'avion, tu le poses dans une vraie situation. Bah écoute, oui, je pense aussi, en simulateur, en tout cas, je le pose. Donc, comme on est, comme on est à, on va dire, à 99% de la réalité sur le simu, bah écoute, si je le pose sur le simu, je le pose en vrai, je pense. Hein. Voilà, après, après, merci, Ascro. Merci, merci pour les roses. Donc en vrai, voilà, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Merci, merci, Ascro. Il est en train de se lâcher, frérot. Adrénaline, ouais, voilà, il y a ça, ouais. Il y a ça qui doit changer. Il est en train de se déchaîner sur les roses. Merci Ascro, merci merci. Il est chaud patate. Il s'est tué sur les roses. Continue franchement ce niveau de précision, respect. Merci mon Rab, c'est gentil, c'est super gentil de ta part. Merci beaucoup. Après c'est vrai que ça intéresse pas grand monde. Hein. Yes Ascro, merci beaucoup. Ça intéresse pas grand monde hein, les lives sur l'aviation, mais bon après moi je m'en fous, je fais mon vol, je me mets en live, ceux qui aiment ils regardent, ceux qui aiment pas bah ils tournent la tête hein. Continue hein. Yes Ascro, merci merci, ouais, il est gonflé à bloc pour de bon, ça arrêtera plus, il est chaud, il est chaud. Jihad, là, toi, tu voles un petit peu, tu... T'es sur le simu aussi? Yes, Ascro, merci beaucoup. Il est chaud, merci, merci. Il est chaud, patate. Merci, merci, merci à toi. Merci. T'es au top. Les passions, c'est des niches. Après, c'est pas donné à tout le monde, non, du tout. Mais c'est captivant, ouais, effectivement. Très captivant. Moi, je me régale. Hein. Après, ça peut paraître redondant, mais franchement, moi, je m'en lasse pas, en fait. Ah, après j'avoue que c'est ce que je dis souvent dans mes lives, hein, j'évite de faire des trop longs vols. Yes Ascro, merci beaucoup. J'évite de faire des trop longs vols parce que en fait bah tu t'ennuies un petit peu, tu vois. Donc
Ouais, Ascro, merci, il est chaud, merci beaucoup. 2663, the TP was the best I can do, it's gonna be up the next controller to give you more. Frérot, t'es en train de te ruiner, arrête. Arrête, arrête, arrête. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr et certain que c'est... C'est les lives qui payent tes cadeaux. Ah bah merci, c'est gentil. Merci ceux qui veulent s'abonner à Scrollin. Il fait des lives... Bon, il a pas besoin de ma pub hein, parce qu'il tourne très très fort. Mais il fait des lives sur sur des serpents. Ceux qui kiffent les serpents, abonnez-vous. Et il fait des lives sur les serpents, c'est mortel. Donc allez sur sa page et abonnez-vous les refs. Ascrolling95. C'est lui qui nous a défoncé de cadeaux là. Mais ouais non, c'est sûr que le... on apprend beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses avec les tutos. Bah, il est mon setup, hein. Il y est dans ma page TikTok, frérot. Alors, je sais pas si je l'ai là. Attends, faudra que j'aille sur Discord. Peut-être que je dois l'avoir. Est-ce que Discord est allumé? Ouais, Discord est allumé. Alors, attends. Bah, si tu viens sur Discord, il y a une photo de mon setup, normalement. Setup Gaming. Alors attends, je vais le mettre là. Hop. Voilà, ça c'est mon setup. Ça c'est mon setup à moi. Hop. Là on le verra peut-être mieux. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être dans le navigateur ou alors c'est pareil, on voit mal. Voilà, ça c'est mon setup. Alors je peux pas zoomer, c'est dommage. Mais voilà, puis vous voyez sur le. Ce qui est bien sur le Discord, tous les copains ils présentent leur setup. Ça c'était mon setup d'avant ça. Voilà. C'était ça mon setup d'avant. Et puis bah après j'ai déménagé de pièces. Et je me suis fait ce setup là. Voilà. Hop. Ouais c'est beau gosse, ouais c'est beau gosse. On arrive bientôt, on arrive dans une trentaine de minutes je pense. Alors vous voyez je me suis pas trompé hein, par rapport à mes calculs. Quand on regarde le ND, le navigation display. Donc ça c'est le ND, ça c'est le PFD. Hein. Ok, donc ça s'appelle le navigation display. En fait, on voit le petit trait blanc là qui indique que c'est mon top of descent. Donc c'est à partir de ce moment-là que je dois commencer à descendre. Donc l'ordinateur de bord de l'avion m'indique que lui, il a calculé que par rapport à mon arrivée au niveau du point fusable, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois être à 8000 pieds, donc je dois commencer à descendre ici. Et moi, d'après mes calculs, donc ça c'est mon fixe info, là, le trait bleu, je dois commencer à descendre ici. Donc vous voyez, la marge d'erreur, elle est infime. Hein. Donc je me suis pas trompé, je suis correct. Ok. Donc vous voyez, c'est quand même bien précis. Alors, sais-tu pourquoi on ne voit pas dans le MCDU les approches quand on fait le flight plan? Alors, sais-tu tu te demandes quand tu te mets sur plan ici, là, c'est ça? Et tu le vois pas dans le MCDU. Là, quand tu fais ça? C'est ça que tu me demandes en fait. Yeah,
342, Quebec Sierra, contact center 124. Exemple VTBS, on ne voit pas les arrivées pour sélectionner la star et l'approche. Bah, faut cliquer sur le ton aéroport. Hein. C'est juste ça en fait, frérot. Si tu vas sur le MCDU là. Là, moi j'ai mis Toulouse, la 14R. Donc j'appuie sur Toulouse, j'appuie sur arrivée. Voilà, je choisis la 14R. Ok. Ça, c'est mon arrivée. Et après, il te demande bah, la star. J'ai mis Nara 8 Sierra. Et après, tu appuies sur Via et tu fais Fusap et insérer. À Bangkok, on les voit pas ? Bah, j'ai déjà volé à Bangkok, il me semble que si. Je sais pas. J'ai déjà volé à Bangkok et il me semble que j'ai pas eu de problème pour entrer mes infos. Mesdames. Ouais, c'est bizarre. Nous allons commencer à passer dans les allées pour vous servir des boîtes. Normalement, oui, ça devrait s'afficher. C'est. Que toutes les allées soient dégagées de toutes. Je vérifierai VTSB. Ouais. Je vérifierai. Je te dirai, je vais vérifier, je te dirai. Normalement, tu devrais les voir. Hein. Logiquement. Ouais, j'ai self-loading cargo, ouais, tout à fait. Tac tac tac. Ça bug encore pour les portes de l'avion. Non, ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne en tout cas. On va indiquer le top of descente. On va pas tarder. Mesdames et messieurs du cockpit, vous serez ravis d'apprendre que nous allons bientôt entamer notre descente. Le personnel de cabine va bientôt commencer à préparer notre arrivée. Vous assurez que toutes les allées soient dégagées de tout Ah bah oui, effectivement, il est là. S'il y a personne sur Discord, c'est que je suis là, tout à fait. Johan, il me cherche partout. Il a vu qu'il y avait personne sur Discord. Il s'est dit, ah, c'est bizarre. Il doit être en live, ben voilà, je suis en live. Si je suis pas sur Discord, c'est que je suis en live. À cette heure-là, hein, une heure, normalement, on est sur Discord. Allez, on va bientôt entamer le top of descente. Merci Johan, merci beaucoup. Yes, merci, merci. Allez, à peu près 20 nautiques maintenant du top of descente. Merci pour le follow, frérot. Alors. On va entamer notre descente, donc on doit être sur le point Fusap à 8000 pieds. On va essayer de se faire ça proprement. Et ensuite, c'est 3000 pieds pour l'approche ILS. On a programmé 8000 pieds déjà pour la descente. Voilà, 10 nautiques du top of descente. Donc on s'est trompé à peu près de 5 nautiques. À peu de choses près. Voilà, puisque là il y a 10 nautiques ici, il y a 20 ici, donc on est au milieu avec la flèche, ça fait 5 nautiques. Autant dire qu'on est tombé juste.
Alors on s'est trompé parce que en fait il m'indiquait 96 nautiques 6 pour descendre. Et il me semble que j'ai mis 97 ou 93 et moi j'ai mis 94. Donc je pense que c'est ça les la différence, je pense. Bon, c'est pas dramatique, hein, on s'en fout. Hein. Rien de ouf. Hein. Allez, on va couper les commerciales. On va attacher nos passagers. Ok. Le capitaine a allumé la consigne d'attacher les... On va armer les speed brakes, les spoilers, pardon, et on va engager la descente. Voilà, donc la descente est engagée. On est encore un peu trop loin pour l'ILS, je pense. Voilà, donc l'avion commence à descendre. Donc maintenant, on va faire que de la descente jusqu'à notre point FUSAP. Voilà, donc pour... voilà, jusqu'ici, on doit être à 8000 pieds ici. Alors, vous voyez peut-être mal de loin. Voilà, donc on entame notre descente, on doit être au moins de 150 ici, donc moins du niveau 150, et on doit être à 8000 pieds ici. Ok, et on se présente sur la 14R, là sur l'ILS, on se présente à 3000 pieds. Ok, voilà, donc on a rattrapé le plan de descente, qui est le petit point vert là, on est en train de le rattraper, on va s'aligner. Une fois qu'on aura aligné le plan de descente, on sera parfait sur la descente. Mesdames et messieurs, depuis le commandant, voilà, la descente se fera correctement. Voilà. Donc là, on a une descente correcte. Il va s'aligner. Voilà, donc on est sur la bonne longueur. Maintenant, on va le laisser descendre tranquillement. Alors, je sais plus à qui je disais ça tout à l'heure. Je crois que c'est Arthur qui me demandait pourquoi on monte si haut. Voilà, ce que je te disais. Voilà, maintenant l'avion, il plane. Tu vois, on est en idle, donc les moteurs sont à zéro. La poussée est à zéro, en tout cas. On est en idle. Donc en fait l'avion plane et va planer jusqu'à quasiment l'arrivée. Voilà, là on dépense zéro carburant. Voilà, voilà pourquoi on monte haut, regarde. Et là on va rester en idle, tu peux vérifier, hein, l'écran il est là. On va rester en idle jusqu'à l'arrivée quasiment. Alors je sais plus si c'est Arthur qui m'avait demandé ça, je crois. Il me semble d'ailleurs. Alors là, pour ceux qui connaissent, on vient de passer Saint-Flour. Qu'est-ce qu'il y a comme grande ville à côté? Qu'est-ce qu'on a comme grande ville à côté là? On va passer. Bon, je vois pas. Sainte-Geneviève. Bonnes. Ruyère. Moi, je connais pas trop ce secteur. Voilà, on arrive sur Rodez. Voilà, Aurillac, Rodez. Voilà, là c'est quelque chose qui parle un peu plus, c'est des villes qui parlent un peu plus. Voilà, donc là on passe au-dessus de Rodez. Rodez et Aurillac sur la droite. Voilà, Aurillac qui est en bas là, et Rodez qui est de ce côté-là. Voilà, c'est relativement nuageux, on voit.
Bon, après, on passe la couche de nuage, donc normalement ça devrait être bon. C'est, on va laisser ça derrière nous. Yes, merci Johan. Voilà, on passe le niveau 280, on est toujours en idle. Donc la descente est bonne. Hop. On va le laisser descendre, il descend tranquillement, on est à 1900 pieds minutes. Pour l'instant on est bon. L'essentiel c'est qu'on passe la contrainte, NARAC moins de 150. Donc il nous reste un peu plus de 100 à descendre, 100 niveaux. Voilà, on est à 73 nautiques de l'arrivée. On a accéléré un peu la descente, 2100 pieds minutes. Et niveau 240. Est-ce qu'on a attrapé l'ILS? Toujours pas. On va le laisser en route. On va pas tarder. On est encore un peu haut. Hein. On prend un peu de vitesse. Et faites qu'on descend. Hein. Bon, c'est pas grave, on va ralentir après, c'est pas un problème. Allez, deux, niveau 220. Alors le plan de descente est toujours bon. Voilà, donc on passe le niveau 200. On doit être à NARAC en dessous du niveau 150. On est toujours en idle, donc l'avion plane toujours. Là on peut considérer qu'on est sur l'approche. On n'a toujours pas pris l'ILS. Allez, niveau 180 bientôt.
Bon, je pense qu'on passera 150. Voilà, niveau 175, donc on va passer largement à 150, ça va être faisable. Ensuite on va chercher 8000 pieds jusqu'à Fusap, et ensuite on demandera 3000 pieds pour aller intercepter l'ILS. À niveau 168. 1800 pieds minute. Voilà, comme quoi le calcul est bon, hein. Voilà, l'avion a... l'ordinateur a capté qu'on doit être à Narak à moins de 150. Et il fait en sorte qu'on passe... le plan de descente fait en sorte qu'on passe Narak à moins de 150. C'est quand même magique, hein. Voilà, on est au niveau 159. On arrive sur le point Narak. Donc on va passer le point à moins de 150. Moi ça me fascine quand même. Alors on va le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà, 152, 151. On est pas tout à fait dessus. Là on arrive dessus et on est à 150. C'est ouf. C'est dingue, hein. Comment le l'informatique, il est précis, hein. Voilà, maintenant on va chercher 8000 pieds. Donc là on va accélérer un peu la descente. Voilà, il passe à 2200, 2300. 2300 pieds minute, 2200, il va ralentir. Là, on va avoir un on vient de choper l'ILS. Donc là, on va ralentir puisqu'on va passer le niveau 100. On va être obligé de d'être à 250 nœuds. Donc on va perdre un peu en descente, en taux de descente. Voilà, l'avion cherche à ralentir. On va y mettre un petit coup d'aérofrein, histoire de le faire ralentir et de continuer la descente. Voilà, je vais le faire ralentir un petit peu. Voilà, il ralentit, on est à 260 nœuds. Hop, je vais couper les aérofreins. Voilà, l'avion accélère. Ouais, ça fonctionne bien, ouais. Super, frérot. On est toujours en idle. Ça fonctionne au top. À ma grande surprise, hein, c'est bizarre que ça fonctionne bien du premier coup, mais... Voilà, là on a une décélération, le petit point rose là. Donc c'est une décélération, je crois qu'on doit être à 210 nœuds. Il me semble, on va voir ce qu'il va nous demander. En tout cas, 250, moins de 250 c'est sûr. Nous on ira chercher 210 nœuds. On va allumer les landing lights, les strobes, puisqu'on va passer le niveau 100. Voilà, on passe le niveau 100. Là on va avoir une décélération, donc là il sait qu'on passe le niveau 100 maintenant, donc on n'a plus le droit de voler à 270 nœuds, donc on est obligé de voler à 250 nœuds ou en dessous. Donc voilà, là il demande à ce qu'on passe à 250 nœuds. Donc l'avion va ralentir sa descente pour ralentir sa vitesse et être dans les règles.
Voilà, il reprendra une descente quand il sera arrivé à 250 nœuds. Voilà, donc l'avion ralenti. De vol, frérot, pas de route. La route, c'est sur la route. Voilà, donc l'avion est à 250 nœuds, il reprend son plan de descente. Il va aller rechercher le plan de descente, on le voit, il va s'aligner. On doit être à 8000 pieds à fusable, donc on y est. On va passer fusable à plus de 8000 pieds. Donc on est bon. On n'a rien à voler. Voilà, donc on va passer fusable plus de 8000 pieds, on est bon. Moi je vais lui mettre 3000 pieds, puisque c'est ce que on doit viser pour l'ILS. Voilà. De cabine, veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage. On est sur une bonne approche, hein. Là, tout se passe à merveille. Pour l'instant, tout va bien. Alors, 14R, on sort à gauche, il me semble, c'est ça. On va aller se stationner au terminal B. Echo 42. Voilà, donc on va se mettre là. Allez, 7000 pieds. On est pas mal. Maintenant, il va falloir regarder les contraintes. On a une contrainte 210 nœuds ici. Bon, là, on est en finale, hein. Quasiment, on va tourner à gauche, on se met en finale. On va activer le log quand même. N'oubliez pas d'éteindre tous les appareils électroniques jusqu'à l'atterrissage. Merci. Ladies and gentlemen, we are about to land. Please make sure you are seated with your belts fastened and your trays in the upright position. Any items should be safely stored and remember to turn off all electronic devices until after landing. Speed down to 5000 for QR 3400. Alors. On va lui demander 210 nœuds. Parce que c'est la contrainte qu'on a après. Allez, on passe en QNH. 10-25. Flap 1, l'approche n'est toujours pas activée. 210 nœuds, on va en train de décélérer. Ah, c'est quand même bien nuageux à Toulouse. Voilà, on a chopé le lock, donc on va pouvoir activer l'approche. On va activer les feux de take-off. And then 6000 United 1533. Hop!
Voilà, donc on est aligné, 3700 pieds. On va descendre le train. Personnel de cabine, veuillez vous asseoir pour l'atterrissage. Merci Duke. Merci mon ref. Salut Crofeuse. Allez, flap 2. Bon, on voit rien du tout, hein. Là, c'est le néant total. Une grosse couche nuageuse. Merci Duke, merci, merci. Flap 3. Yep, merci, merci Duke, c'est gentil. Full flap. On voit rien du tout. Je sais pas où est la piste. Ah, je la vois pas du tout. Bon, là on est bas, je vois pas du tout la piste, ça m'ennuie. Je vous le récupère à la main. Dès que je l'aperçois, je récupère. AP1, AP2, exactement. Bon, je la vois pas. Ah, ça y est, je la vois. Allez, je le récupère. Bon, c'est short, hein, parce qu'on a zéro visibilité. Là, je me fie uniquement au PFD, là. Victor, un peu trop bas. East of the threshold 26 left, when 26 heard 8 for land, Pat Charlie. Ah, je suis un peu trop haut. Continue. Reverse. Ok. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à destination. L'heure locale, ainsi que la météo, est affichée devant vous. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. À la porte d'embarquement, il vous est rappelé de garder tous les appareils électroniques en mode avion jusqu'à ce que vous soyez entré dans le terminal de l'aéroport.
Merci d'avoir voyagé avec notre compagnie et espérons que vous passerez un agréable séjour. Au revoir et à bientôt. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. The local time, as well as the weather forecast, is displayed in front of you. Please remain seated until the plane has come to a complete stop at the boarding gate. You are reminded to keep all electronic devices on airplane mode until you have entered the airport terminal. Thank you for traveling with our company and hope you have a pleasant stay. Goodbye. Landing light, Lestrom, foot takeoff. Card 301, tower exit onto runway 31, contact ground 121.71 off. Exit 31, contact ground 217, cargo jet 31. Alors, on va prendre à gauche. China Eastern 582, contact ground 121.7. 121.7, China Eastern 582. Thank you, good day. Et on va aller chercher Echo 14. Alors, est-ce qu'on a trouvé? Forcément, bon, Echo 10, elle est où? On va simplifier la vie. Echo 60. Echo 10, elle est là, on l'a passé. Oh, uniforme peut-être. Uniforme 20. Hop. Alors uniforme 20, elle est là. Donc je vais tourner à droite. 21 next time. Hop. Ensuite à gauche. Tower 10 West 929 is with you, visual approach 30, joining final at CCOB. 10 West 929 Tower, good day, wind 280 at 8, altimeter 2973, clear to land runway 30. 2973, clear to land runway 30, 10 West 929. Et donc Echo 20, elle sera un peu plus loin sur la droite. Uniforme 20, pardon. Uniforme 10, 12 et 20, c'est celle-là. Swoop 182, tower, good day, wind 290 at 8, altimeter 2973, plan Alpha 4, clear to land, runway 30. Clear to land, 30, and to plan for Alpha 4, Swoop 182. J'arrive un peu trop vite, je vais ralentir.
Bah alors. Number 7268, how are you? 2908, altimeter 2973. Number 2, following 737, 2 final. Okay, we're checking number 2, number 7268. We must never stop the way. Let's jump in and I hear my name. On va essayer de se faire un zéro. Voilà. Allez, moteur droit coupé déjà, on est sur la PU. Hop, on va mettre les cônes. Moteur 1 coupé. Les pompes coupées. External power. Hop, ça on peut couper. Tac. Feu de taxi, on coupe. Runway turn, on coupe. La PU, on coupe. Personnel de cabine, l'avion est en sécurisé. Vous pouvez ouvrir les portes. Ça, on coupe. Hop. Ça c'est bon, on va demander le déboarding. Hop. Mesdames et messieurs, depuis le cockpit, la compagnie et moi-même espérons que vous avez apprécié votre vol avec nous aujourd'hui. Au nom de moi-même, du premier officier, du personnel de cabine. Imagine 2687, give way to them. They're going to join Kilo. Continue taxi to 9 left, to November Kilo. Merci de voler avec nous. I will follow them on November Kilo 9 left, American 2687. Et voilà. On est pas mal. Voilà les amis. Vol terminé, arrivé sans encombre à Toulouse, comme prévu. J'ai pas coupé les beacons. Eh oui, effectivement, j'ai pas coupé les beacons, bien vu. Tac. Voilà les amis, je vais faire comme d'habitude, je vais vous laisser sur le déboarding, on voit les gens qui sont en train de sortir de l'avion, nous on en a terminé pour aujourd'hui. On va rester là-dessus, je vous dis à la prochaine pour le prochain live. Alors je sais pas quand est-ce que ça sera, on essaye de se faire ça assez rapidement, n'hésitez pas à vous abonner. Et à vous à mettre les notifications en route pour avoir les notifications sur les lives. Je vous dis à la prochaine pour ma part. Je vous laisse avec le déboarding. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés. Je remercie Johan, Ascroline, Duke et Crofeuse pour les cadeaux. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne semaine, bonne soirée, bonne semaine. Et à très bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Heard the stakes are high, but still you bet on everything.
Never let